Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition en direct du Sénat, votre programme qui revient tous les jeudis sur les temps forts de l'actualité de la Chambre haute du Parlement. Voici les titres de cette édition. À la une, cette semaine, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui était reçu au Sénat dans un contexte de vive tension internationale, il s'est expliqué sur la question des ventes d'armes à Israël. Nous reviendrons également sur la hausse de son budget pour 2025. Également à la une cette semaine, et les sénateurs à l'offensive sur la programmation énergétique, ils ont fait adopter un texte cette semaine, lassé d'attendre une initiative de la part du gouvernement sur la trajectoire de notre mix énergétique. Et enfin, troisième titre dans cette émission, et le MEDEF et les autres représentants des entreprises qui étaient reçus mardi au Sénat après l'annonce de hausse d'impôts pour certaines entreprises. Explication à suivre. Mais d'abord, donc, l'audition du ministre des Armées. Il est revenu sur la situation au Proche-Orient et les tensions avec Israël sur la question des livraisons d'armes. Écoutez ces extraits préparés pour Public Sénat par Mathilde Nuttarelli. Sur cette route vers 2030, on est sur une étape où la marche de 3,3 milliards d'euros est confirmée, conformément à ce que vous avez voté. Je rappelle quand même quelques chiffres, plutôt pour ceux qui vont nous suivre que ceux qui sont dans cette pièce, mais c'est important de le redire. 2017, 32 milliards d'euros. 2022, budget des armées annuel, 41 milliards d'euros. 2024, 50,5 milliards d'euros. 10 milliards d'euros de plus depuis ma nomination, 18 milliards d'euros de plus depuis l'élection du président de la République. Et on voit bien de plus en plus, vous voyez, les débats qui nous ont animés, y compris lors de la programmation précédente, monsieur le sénateur Cambon, sur la réalité de l'augmentation. De plus en plus, un autre débat va monter, c'est l'efficience de ces crédits militaires, de l'effort que nous demandons aux contribuables et de nous assurer que cet argent va au bon endroit. Peu de ministères dans la République peuvent évidemment revendiquer cet effort colossal. Moyennant quoi, peu de ministères dans la République peuvent aussi revendiquer d'avoir subi des coupes budgétaires aussi dures et aussi importantes pendant 20 ans, certaines complètement légitimes. La fin de la guerre froide, dissolution du pacte de Varsovie, il fallait prendre des mesures, et le président Chirac notamment a pris des mesures courageuses. D'autres parfois ont été plus violentes, et je rappelais ce chiffre hier à vos collègues députés. Pendant 25 ans, la richesse mondiale, nationale, pardonnez-moi, a augmenté de 54%. Les dépenses militaires mondiales, elles, avaient augmenté de 17%, tandis que les dépenses militaires nationales, elles, diminuaient de 17%. On voit bien qu'à un moment donné, on a poursuivi un chemin qui n'était pas du tout le chemin vers lequel l'ensemble des pays, soit compétiteurs, soit alliés, se destinaient. Et donc ces chiffres, parce que je fais aussi cette éducation, cette pédagogie, cette promotion, au moment où on peut dire « mais pourquoi le ministère des Armées serait-il épargné par rapport à d'autres ministères ?» qui est un débat politique bien légitime. Ben, il faut tout simplement non pas l'éclairer par rapport à l'année dernière, mais l'éclairer par rapport aux 15 ou 20 dernières années. Et il faut faire résonner encore ici ces chiffres. 54 000 postes supprimés, un régiment de l'armée de terre sur deux depuis 1990 a été fermé, 11 bases aériennes et un chiffre qui parlera à un certain nombre d'entre vous, férus et amateurs et supporters de notre marine nationale, puisqu'en 1985, nous avions 311 000 tonnes d'acier à la mer, là où en 2019, nous avions 287 000 tonnes d'acier à la mer. Et je vous donne évidemment cette évidence, la zone économique exclusive française, elle n'a pas rapetissé entre-temps. Donc ça, ce sont des réalités sur lesquelles le muscle a été attaqué, même l'os. Évidemment, le devoir de réparation de la première LPM s'inscrit évidemment aussi dans ce contexte-là. Et il faut le rappeler, et avant que la sénatrice Gréaume et d'autres le fassent, évidemment, les soutiens qui ont été les grands contributeurs aussi de cette fonte musculaire, notamment le service de santé des armées, le commissariat, autant de services de soutien qui sont clés dans le combat. Pour entrer dans la mêlée, ce PLF 2025, c'est une grosse année de livrables pour aller au-delà même des sujets de réparation et qui, au fond, s'articule bien, s'adosse bien à notre architecture de défense. Vous m'avez invité dans le propos liminaire à repasser par les menaces. On va le faire en présentant justement ces crédits budgétaires. Bon, on voit bien que notre dissuasion nucléaire continue de protéger nos intérêts vitaux. Je pense qu'il suffit de regarder le chantage, en tout cas l'instrumentalisation nucléaire russe en ce moment, pour s'en convaincre, si besoin en était. Les volontés de prolifération de la République islamique d'Iran, de la Corée du Nord. Et donc, on voit bien que notre dissuasion, elle est toujours au cœur de notre modèle de défense, mais que ce n'est pas quelque chose qui s'autoproclame et que, évidemment, ça nécessite des modernisations qui, pour le coup, ne sont pas à la
la hauteur de la vie d'un homme, puisque, en tout cas de la génération d'un décideur politique, puisque globalement les décisions que nous prenons maintenant organisent la dissuasion nucléaire 2035-2040 et que ce sont les décisions du président Sarkozy qui aujourd'hui se mettent en application, hein, pour redonner aussi les rythmes de temps. Et donc vous avez pratiquement 8% d'augmentation de crédit par rapport à 2024 qui vous est proposé en 2025, c'est-à-dire 1 demi-milliard d'euros sur notre dissuasion nucléaire. Il y avait déjà une augmentation, rappelez-vous, l'année dernière de 750 millions d'euros. Et pour cause, rénovation de la SMPA-R. On va vers, pour les forces aériennes stratégiques, vers le missile de la SN4G pour les années 2030, c'est-à-dire vers des capacités de pénétration des défenses ennemies pour notre dissuasion qui sont beaucoup plus importantes. Évidemment, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération avec les premières tôles qui ont été découpées à Cherbourg. Donc là, vous avez des efforts de modernisation qui sont extraordinairement importants, que ce soit sur les plateformes, ce qui emporte la bombe, comme sur la bombe elle-même, les têtes, ou évidemment les missiles. Donc ça, évidemment, beaucoup de choses sont classifiées. Mais enfin, on le voit bien, c'est un effort important. Et là, vous rentrez dans les décisions qui ont été prises, soit par le président Sarkozy, soit par le président Hollande, soit par le président Macron, premier quinquennat. Et donc, vous commencez à avoir une bosse de crédit de paiement sur l'agrégat de la dissuasion, qui est une bosse, président, qui redescendra à horizon 2029-2030. Mais là, vous avez des années de crédit de paiement qui vont organiser la dissuasion des années 2030. Je crois que c'était important de démarrer par là, parce qu'après, il y a aussi ce sacro-saint débat aux rumeurs, où la dissuasion prend tout, tout ça se fait au détriment du conventionnel. Non, la programmation que vous avez votée, mesdames, messieurs les sénateurs, elle comprenait évidemment cette modernisation de la dissuasion et d'assumer cette bosse de crédit de paiement qui n'est pas sans lien sur les crédits d'innovation pour le sénateur Alizard, puisque évidemment la dissuasion tire un certain nombre de briques de technologie. Ne pas parler, par exemple, de l'hypersonique ou de l'hypervélocité, où évidemment la dissuasion permet d'emmener ces briques de technologie. Je pourrais répondre à vos questions cas échéant. Restauration de nos capacités expéditionnaires. Là aussi, c'est ce que les menaces du monde nous apprennent. Que l'on soit engagé en OTAN, nation cadre en Roumanie, capacité à tenir notre rôle. Hors OTAN, résévac éventuel dans certains pays, capacité à déployer des troupes au sol pour faire face à des difficultés de sécurité, y compris sous mandat des Nations Unies, avec l'actualité difficile que nous connaissons sur la FINUL. J'imagine qu'on y reviendra dans un instant. Et là, on voit bien que les capacités expéditionnaires, et pas que l'armée de terre, hein, aussi l'aviation de transport pour l'armée de l'air, etc., ont largement été abîmées ces dernières années, et que la montée en puissance, comme vous le savez, avec le jalon en 2027, avant 2030, il y a ce jalon sur les deux brigades de l'armée de terre en 2027, j'entends bien ce qu'on tienne. Il y a deux principes sur lesquels, effectivement, il faut qu'on continue d'avancer sur l'aide à l'Ukraine. Le premier, c'est que cette aide doit quand même toujours profiter à l'industrie de défense française. Je le dis, mais enfin, c'est quand même la particularité. Beaucoup de pays européens achètent aux États-Unis pour aider l'Ukraine. Bon, nous, dans un moment où parfois certains extrêmes réinterrogent démagogiquement notre aide à l'Ukraine en disant, etc., je rappelle quand même que c'est de l'activité pour les entreprises françaises, quand même une particularité. Je veux dire, derrière, ce sont les usines de Roanne, de Nexter, de Bourges, d'MBDA. Enfin, je veux dire, l'aide à l'Ukraine crée une activité sur le territoire. Je ne dis pas que ça se suffit à tout expliquer, mais enfin, c'est la différence avec d'autres pays européens, quand même le redire. La deuxième des choses, c'est évidemment qu'il n'est pas question de déprogrammer des choses dans la programmation militaire pour aider l'Ukraine. Bon, une fois que j'ai dit ça, ça m'amène à vous donner des détails sur comment est construite l'aide à l'Ukraine, parce qu'au-delà des principes, c'est évidemment l'exécution qui compte. Déjà sur les chiffres, rappelez-vous 2022, 1,7 milliard d'euros valorisation de ce qui a été donné. Parce que, toujours pareil, la valorisation de ce qui est donné n'est pas forcément en miroir les AE et les CP en recettes. Je vais y revenir dans un instant. 2,1 milliard d'euros en 23. Et vous le savez, le président de la République a eu cette formule en février, jusqu'à 3 milliards d'euros en 24. La réalité, c'est qu'on sera entre 2 et 3 milliards d'euros, plus près de 2 que de 3. Pourquoi je ne suis pas capable de vous répondre précisément? Parce que vous avez cette affaire de cession de mirage, et en fonction du moment où les mirages peuvent être donnés, ça peut faire bouger la somme de manière un peu significative, étant entendu aussi que la formation de cette brigade, dite Anne de Kiev, est en train aussi d'être documentée un peu plus précisément sur le volet budgétaire. Ça nous amène donc aux précisions suivantes, puisque vous m'avez demandé la sincérité, je vais donc vous la donner complètement, sur comment l'aide à l'Ukraine est financée. La première des choses, il y a une partie qui est prise sur la LPM, mais ça je l'ai toujours assumé devant vous, c'est évidemment la sortie des vieux matériels de l'armée de terre notamment, qui va en Ukraine. Et plus on scorpionise l'armée de terre, plus on sort des AMX-10RC, plus on sort des VAB. Et il est évident qu'on les sort en bon état, et qu'on maintient le MCO jusqu'au bout, et que la LPM prend ce MCO. Mais je vais vous dire une chose, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, on les aurait sûrement donné à des partenaires africains, pour être transparent. Donc quoi qu'il arrive,
on aurait gardé ces matériels en bon état. Ce sont des sommes qui ne sont pas négligeables, parce qu'au début, c'était un tout petit peu anecdotique. Le sénateur Cambon, d'ailleurs, avait surveillé ça de près dans le cadre de la programmation militaire, 177 millions d'euros en 23. Mais enfin, vous voyez qu'en 2024, on est sur 533 millions d'euros, c'est-à-dire un demi-milliard d'euros, et que l'année prochaine, on sera, à mon avis, à peu près à la même somme, si ce n'est pas supérieur, entre 600 et 700 millions d'euros. Parce qu'on est sur les années sur lesquelles on s'occupe beaucoup de l'armée de terre. Donc on va sortir massivement du matériel ancien, du format de l'armée de terre, ce qui nous permet de le donner à l'Ukraine. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, et ça me semble gagnant-gagnant. La deuxième des choses, c'est que vous nous avez permis d'avoir le fonds de soutien dédié. Une fois 200 millions d'euros, deux fois 200 millions d'euros, qui nous ont quand même permis de faire un fonds d'amorçage. Vous voyez, l'Ukraine a acheté elle-même ses propres canons César. Parce qu'on a fait une opération, 1 euro pour 1 euro, avec un deal un peu gagnant, dans lequel nous, on est prêt à vous prendre les premiers paquets de César, mais vous devez aussi en prendre. Bon, j'essaie aussi d'apprendre à nos amis ukrainiens à acheter français. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur le fait que l'artillerie ukrainienne à l'avenir sera sans doute du canon César. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de doutes sur le fait que KNDS doit faire des efforts pour satisfaire le client, parce qu'il y a toutes les évidences, un énorme marché pour l'artillerie française, si on n'est pas mauvais, dans les années qui viendront. Donc ça, c'est évidemment le deuxième aspect. Troisième aspect, sujet cher à la Commission, l'inflation. Il se trouve qu'on a créé la programmation militaire dans des contextes d'inflation qui étaient mauvais. Et je ne m'en étais pas caché auprès de vous. Je vous avais dit, soit ça continue d'être mauvais et de fait, toutes vos craintes étaient légitimes, il aurait pu y avoir de l'éviction sur la programmation, c'est vivant une programmation. Soit les critères vont à la baisse, c'est le cas, et un ralentissement massif de l'inflation. Et ça, pour le coup, Président, politiquement, j'assume devant vous en sincérité que ces gains d'inflation, nous allons les affecter sur l'aide à l'Ukraine. Considérant que ça n'a pas d'effet de déprogrammation, déprogramme pas un avion, déprogramme pas un char, de rénovation du Leclerc, que sais-je, mais que ces gains d'inflation, qui représentent entre 400 et 600 millions d'euros pour cette année, donc on est sur 1,5 milliard d'euros, c'est colossal, là, vous pourriez me dire, non, on aurait préféré que vous accélériez, je sais pas moi, le tour Rafale, etc. De fait, dans les discussions, évidemment, que j'ai eues avec Bercy et avec les équipes du Premier ministre, il va sans dire que ces gains d'inflation, ils ne repartent pas dans les crédits de l'État, dans les caisses de Bercy, ils ne vont pas à de la programmation nouvelle, mais ils vont pour l'aide à l'Ukraine. Ça, c'est un élément, évidemment, en sincérité, que je vous communique. Autre aspect nouveau, grâce à notre diplomatie, nous allons commencer à profiter des avoirs gelés russes. Puisque ça, évidemment, c'est une demande qui était ancienne. Et objectivement, il est bien légitime que cet argent soit affecté à de l'achat d'aide militaire pour l'Ukraine. La somme n'est pas anecdotique, puisque pour ce trimestre 24, on parle de 300 millions d'euros. Donc, quand même sur des sommes qui, vous voyez, sont assez significatives et qui vont nous permettre, pour le coup, de ne pas toucher la LPM sur certains aspects. Je pense notamment aux missiles complexes. Quand on fait de la rénovation de missiles Scalp sous cocon, quand on fait de la rénovation de missiles Aster, par exemple, évidemment, la tentation aurait pu être de toucher la programmation militaire. Bon, ces sommes vont nous permettre justement de financer cela, et même d'ailleurs des obus de 155 mm. Parce que derrière, évidemment, il y a tout ce qui ne se voit pas, mais qui finit quand même par coûter un peu d'argent, le carburant, les petites munitions, les petits calibres, on n'en parle jamais, mais enfin, ça présente quand même des flux, évidemment, financiers importants, et les avoirs gelés russes vont nous permettre de le traiter. Ensuite, restent deux inconnus que j'assume devant vous. La première, c'est le dégel des crédits en gestion. C'est une inconnue assez normale le 15 octobre, puisque chaque année, en général, ça s'est joué après. Alors, moi, je connais le passé. À chaque fois, comme vous le savez, j'ai obtenu un dégel complet et même des ouvertures de crédit en gestion en plus. Bon, d'ailleurs, je note qu'on a obtenu 1 milliard d'euros d'argent en gestion en plus il y a ça maintenant 18 mois. Ça n'a ému personne. Donc, ça veut bien dire que l'argent, en plus de la programmation, ne crée pas toujours de l'enthousiasme. Pourtant, il est pratique parce qu'il nous a permis de faire la jonction entre les deux programmations militaires. Et surtout, la Première ministre, à l'époque, m'avait permis d'avoir de l'argent en gestion qui nous avait permis précisément de financer les surcoûts OPEX, pour répondre à votre question, et de financer une partie de l'aide à l'Ukraine. Donc, jusqu'à présent, tout va bien. Et jusqu'à présent, la programmation militaire, à part les cas particuliers que je vous ai cités, n'a pas financé l'aide à l'Ukraine. Désormais, première question, le dégel. Je suis optimiste au moment où je vous parle, mais les travaux n'ont pas commencé, puisque la priorité a été donnée à la construction du budget 2025,
avant de finir la gestion, ce qui est logique, hein, Michel Barnier a donné ses instructions qui sont légitimes et naturelles. Évidemment, la question, s'il y avait des surcoûts liés à l'Ukraine, de comment ils seraient évidemment traités en gestion. La deuxième inconnue, c'est évidemment la Facilité européenne de paix, puisque à la fois elle rapporte des recettes désormais, c'est le bienvenu, mais en même temps elle est aussi source de dépenses. Et donc là, évidemment, il faut que j'arrive à poursuivre les discussions, sachant que j'essaie aussi d'être vigilant, puisque ce sont des crédits qui, comme je vous le disais, finissent par retourner quand même aux industries de défense françaises. Et donc là aussi, c'est là où j'ai une manœuvre à faire avec la DGA, c'est faire en sorte aussi que le carnet de commandes des entreprises françaises augmentant, c'est quand même de la dépense publique militaire, même si elle est pour l'Ukraine, c'est quand même de la dépense publique militaire. On ne peut pas dire « Ah non, ce n'est pas la LPM, on s'en moque ». Non, ça va quand même chez Nexter, ça va quand même chez MBDA. C'est de regarder aussi les efforts qui peuvent être faits sur les prix. En conclusion, respect de la programmation militaire sur ce qui est programmé, contrairement à ce que la France insoumise a voulu tweeter toute la journée. Maintenant, il y a un débat sur l'efficacité de cet argent. C'est le débat que vous avez introduit. Sur la structure des coûts, évidemment, de nos industriels. Sur les doublons éventuels qui pourraient rejaillir ou être régénérés au sein des armées. Et donc, là aussi, il y a des efforts à faire. Typiquement, la réforme du numérique du ministère est une réforme importante. La question des financements européens, le ministre Thériault veut consacrer du temps, il a bien raison, sur EDIP et DIRPA, qui sont autant d'outils sur lesquels aussi nos industriels doivent pouvoir récupérer des financements. La question des financements privés des industries de défense, vous aviez commencé avec beaucoup d'amendements et d'interpellations sur la question de la mobilisation de l'épargne des Français, comment aussi la BITD accède à des financements privés, parce qu'il n'y a pas que l'argent public pour amorcer aussi des business plans sur un certain nombre de programmes d'armement. Là aussi, c'est devant nous. Donc il nous faut évidemment continuer d'avancer. Armes, Israël, choses sont simples. Pas de vente d'armes à Israël, de manière globale, déjà aussi pour une raison simple, au-delà de la diplomatie, des autorisations de licence, etc., c'est qu'Israël est un des grands concurrents des industries françaises et que Tsahal n'a pas besoin des armes françaises. On va commencer par cette évidence, pardon, mais ça va mieux en le disant. Deuxième des choses, oui, nous vendons des composants sur des systèmes défensifs, et notamment le dôme de fer, des systèmes de roulement à billes, de ressorts, etc. Et nous assumons que les licences sont toujours en vigueur, là où d'autres voudraient que nous les arrêtions. Et vous savez que ces systèmes sont purement défensifs et qu'ils ne peuvent pas être retournés de manière offensive contre qui que ce soit. Et donc il en va évidemment de la protection des populations civiles. Je crois qu'il doit y avoir aussi des plaques de blindage pour des véhicules civils. Enfin, vous voyez, vous êtes vraiment sur de la défensif. Et ensuite, vous avez des licences pour ce qu'on appelle du réexport, où parfois vous avez des équipements qui sont manufacturés d'une certaine manière en Israël et dont il y a un pays de réexport. C'est-à-dire que Tsahal n'est pas le client final, mais par exemple, parfois, un des pays de réexport, c'est tout simplement nous. Je me suis aperçu de ça. Et là où, évidemment, Disclose et autres Mediapart, enfin, si ces gens étaient rigoureux, on s'en serait rendu compte hein, depuis le temps, et s'ils étaient honnêtes intellectuellement aussi, sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Et jette la suspicion en disant « mais au fond, c'est un moyen de déguiser un approvisionnement de Tsahal ». Ben non, puisque c'est nous le pays de réexport, on arrive à bien voir ce qu'on envoie puisqu'on récupère. Et de fait, vous savez, sur ces bandes de munitions, sur ce qui permet de tenir des munitions entre elles sur un certain nombre de systèmes d'armes, il se trouve, ne me demandez pas pourquoi, mais je l'ai découvert, mais que c'est en Israël que ces systèmes étaient assemblés et reviennent en France. Donc il n'y a pas d'armes vendues à Israël. N'en déplaise à celles et ceux qui ont voulu entretenir le trouble sur ce sujet. Donc merci de m'avoir posé la question techniquement et froidement, ce qui me permet d'y répondre techniquement et froidement. Voilà pour cet extrait de l'audition qui sonnait cette semaine au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Jean-Marc Vessousfort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur PS du Lot, membre de cette commission de la défense du Sénat. On a vu cette explication de texte sur les ventes d'armes à Israël de la part de M. Lecornu. Les choses sont simples, a-t-il dit. Pas de vente d'armes à Israël de manière globale. Pour une raison simple, Israël est un grand concurrent des industries françaises et Tsahal n'a pas besoin des industries françaises, a dit M. Lecornu avant-hier. C'est pour clore la polémique née il y a 10 jours sur les propos d'Emmanuel Macron. Je n'en sais rien. En tout cas, il a essayé d'être précis. La dernière fois où nous l'avions auditionné, ça avait été un petit peu moins le cas. Là, je crois qu'il a voulu faire passer le message que nous pouvions accompagner Israël sur des armes défensives. Mais il n'en était pas question, évidemment, sur des armes offensives. Ce que nous trouvons, pour notre part, tout à fait logique, normal. Donc acte, aujourd'hui,
on ne vend pas d'âme à Israël. Et donc, interrogation aussi sur les propos du président Macron qui avait dit à l'époque qu'il ne fallait plus vendre d'armes à Israël. Il devait parler pour d'autres pays sans doute. C'est ça, en fait, peut-être qu'il s'adressait aux alliés d'Israël, aux États-Unis en l'occurrence. C'est toujours très difficile avec le président Macron de savoir quelle est sa position. Il y a quand même pas mal de changements de pied. On a souvent des ministres qui sont là pour rectifier le tir. Il faut bien reconnaître que le président a parfois du mal à viser juste. Oui. L'un des principaux points abordés cette semaine en audition par Sébastien Lecornu, c'est le budget de son ministère. Et il augmente en 2025, tel que prévu par le projet de loi de finances, c'est plus 3,3 milliards. Tout le monde doit faire des efforts, sauf la défense, c'est ce qu'on comprend. Mais il faut comprendre aussi le budget de la défense. Nous, on a toujours voté la loi de programmation militaire parce qu'on considère que dans un moment, dans un contexte qui nous oblige à assurer la souveraineté défensive de notre État. C'est-à-dire la trajectoire qui avait été fixée pour 2024-2030, ça, il faut la maintenir, selon vous? On a l'obligation de la maintenir. Pourquoi? Parce qu'on est à 2% du PIB. 2% du PIB, c'est ce que demande l'OTAN. L'OTAN, oui. Premier élément. Deuxième élément, je rappelle quand même que nous étions à 5, un petit peu plus de 5 dans les années 60, 3,5% du PIB dans les années 80. Et donc, on voit bien que 2%, c'est le strict minimum. Nous avons affaibli notre défense. Pendant des années, on a fermé nombre de bases, nombre de casernes. Et tout cela prend du temps. Il faut aussi avoir une constance. On ne peut pas être dans des réactions à court terme. Je rappelle d'ailleurs que l'augmentation des dépenses militaires, à l'époque, datait de François Hollande et qu'on en voit les premiers effets qu'aujourd'hui. Donc c'est un satisfait que vous donnez au gouvernement sur ce budget 2025, sur cette partie-là du budget. Mais c'est un objectif que nous avons tous partagé. À un moment donné, il fallait pouvoir donner à la France la capacité de se défendre dans un contexte où vous avez une montée très importante des conflits et des agressions vis-à-vis de notre pays. Au sujet de la question des livraisons d'armes à l'Ukraine, c'est un autre point de l'audition de cette semaine. On a entendu cette déclaration. Avec le dégel des avoirs russes, la France aura accordé près de 3 milliards d'euros d'aide en 2024. Alors, que dire de l'action de la France sur ce volet des livraisons d'armes à l'Ukraine, quelques jours seulement après la visite de Volodymyr Zelensky à Paris? On doit aider l'Ukraine. Moi, je me suis rendu avec une délégation de la Commission des Affaires étrangères en Ukraine il y a quelques mois. On voyait bien que le rapport de force n'était pas en faveur de l'Ukraine. C'est un rapport de 1 à 4 sur les hommes qui sont sur le front, sur les pièces d'artillerie qui sont mises à disposition des autres. L'Ukraine résiste de manière absolument incroyable. On l'oublie. Et donc, nous devons aider l'Ukraine. Après, 3 milliards, je le mets en rapport avec les 61 milliards d'aide que donnent aujourd'hui les États-Unis. Donc nous avons besoin évidemment aussi des États-Unis. Et même si demain les États-Unis arrêtaient leur aide, nous ne sommes pas malheureusement en capacité, l'Europe, à pouvoir aider l'Ukraine pour leur permettre de se défendre. J'ai d'autres questions qui ne sont pas directement liées à l'audition de Sébastien Lecornu, mais on voit que la situation est très tendue entre les casques bleus déployés au Liban et Israël. Et Sébastien Lecornu qui a dit que la FINUL avait vocation à rester au Liban. Quel regard est-ce que vous portez sur ce qui se joue depuis dimanche au sud du Liban? Israël est notre allié. Pourquoi c'est notre allié Israël? Parce que Israël est une démocratie. Et être une démocratie, ça engage aussi, notamment à respecter le droit international. Et quand on tire sur la FINUL, même si on nous explique que c'est des dégâts collatéraux... 5 blessés quand même. 5 blessés. Quand on a une disproportion dans la riposte aujourd'hui qui est faite, on ne se comporte pas en démocratie, c'est une évidence. Alors j'entends évidemment que l'Israël doit se défendre, mais il y a une escalade des deux côtés. Il doit y avoir une désescalade aujourd'hui, c'est indispensable. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est terrible, ça isole d'ailleurs de manière importante Israël. Oui. Et je pense qu'à moyen et long terme, je ne sais pas si c'est une stratégie qui peut être gagnante, mais depuis le début, il était évident que vous avez de part et d'autre des partis qui ne souhaitent pas la paix, qui souhaitaient la guerre. Et tant qu'on en sera dans cette volonté de privilégier la guerre à la paix, nous n'en sortirons pas. Donc nous, notre rôle, c'est de favoriser la désescalade, de la demander, et puis d'être en capacité à faire respecter le plus possible le droit international. On arrive à la fin de cette interview, mais quand on voit que le chef de l'État aurait déclaré mardi lors du Conseil des ministres que le Premier ministre israélien ne devait pas oublier, je cite, que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Est-ce que ça participe de la désescalade ou juste franchement de la brouille avec Israël? La diplomatie appelle à ce qu'on puisse parler à tout le monde et qu'on puisse
faire en sorte de ne pas heurter. Oui. La difficulté aujourd'hui de la commission, de la communication pardon, du président de la République, et il n'y a pas que sur ce sujet, c'est toujours d'avoir des positions un peu spontanées, parfois un peu incohérentes par rapport à d'autres. Oui. Et donc je pense que c'est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse avoir une parole un petit peu plus maîtrisée. Eh bien, merci. Merci pour cette réaction au micro de Public Sénat. On suivra bien sûr cette actualité sur Public Sénat. Merci. Merci. Allez, on en vient au deuxième thème dans cette émission et les sénateurs de la droite et du centre qui veulent une loi de programmation énergétique, c'est-à-dire un cap en matière d'énergie pour le pays. Il faut dire que depuis un an, on attend toujours un texte de la part du gouvernement. Voyez les moments forts de la séance qui sonnait cette semaine avec Mathilde Nuttarelli. Comme vous le savez, la loi quinquennale sur l'énergie est encore attendue. À l'initiative des commissions des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée nationale, la loi énergie-climat de 2019 a fixé le principe d'une telle loi. Son objectif était et demeure de consacrer la préséance du Parlement sur l'administration, de la politique sur la technique, dans le secteur stratégique de l'énergie. Depuis lors, le Code de l'énergie dispose d'une loi détermine tous les 5 ans les objectifs de notre politique énergétique nationale. Cette loi doit couvrir 5 grands domaines, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la consommation énergétique, le développement des énergies renouvelables, la diversification du mix électrique, la rénovation énergétique des bâtiments et l'autonomie énergétique dans les Outre-mer. Elle doit prévaloir sur 4 documents réglementaires, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone, le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie de rénovation à long terme. Or, aucune loi quinquennale sur l'énergie n'a pour l'heure prospéré. Certes, l'actuel ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a porté un projet de loi sur la souveraineté énergétique, dont le premier titre était consacré à la programmation énergétique en décembre 2023. Mais ce projet de loi n'a pas survécu au remaniement de janvier 2024, seules des consultations sur les documents réglementaires ayant été engagées. C'est pourquoi le Sénat a toujours plaidé pour légiférer sur la stratégie énergétique, a déposé sa propre proposition de loi. Elle a été très largement adoptée en commission le 31 mai dernier et devrait être examinée en séance le 10 juin suivant. La dissolution aura décalé son examen jusqu'à aujourd'hui. Je me réjouis que la programmation énergétique soit à nouveau à l'agenda. Le pacte législatif d'urgence présenté par les présidents des groupes Les Républicains en juillet dernier, prévoit l'élaboration d'une loi de programmation et de transition énergétique. Dans son discours de politique générale du 1er octobre dernier, le Premier ministre a quant à lui annoncé que les travaux de planification énergétique vont reprendre immédiatement. C'est donc le moment d'avancer de manière transpartisane, constructive, consensuelle sur ce sujet crucial. Car l'absence de loi quinquennale sur l'énergie de stratégie énergétique pose une vraie difficulté politique et juridique. Elle instille de l'incertitude, alors que la transition énergétique nécessite, pour réussir une stratégie claire, des normes adaptées et des moyens suffisants. L'absence de loi de programmation, problème au regard des engagements pris. La loi quinquennale sur l'énergie est issue du compromis des commissions mixtes de la loi énergie-climat de 2019. Je vous rappelle que c'est l'Assemblée nationale qui était saisie en premier du texte, qui l'a proposé. Et de notre côté, au niveau du Sénat, nous l'avons fortement soutenu en proposant l'intégration à son champ de la rénovation énergétique et de l'autonomie énergétique dès 2019, puis de l'hydroélectricité et de l'hydrogène en 2021 et du stockage en 2023. Respecter les compromis de CMP, c'est une marque de confiance, Madame la Ministre, essentielle pour la démocratie parlementaire. L'absence de loi de programmation pose aussi problème au regard de l'application de la loi. Le Code de l'énergie prévoit qu'une loi de programmation intervienne à compter du 1er juillet 2023, puis tous les 5 ans, et que les documents réglementaires soient compatibles avec ces objectifs. Par ailleurs, la PPE et la SNBC doivent être prises dans les 6 mois suivant son application. Des outils très concrets, les appels d'offres, les comités régionaux, les zones d'accélération, doivent contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par cette loi. Sans ce texte, c'est toute la mécanique administrative qui peut être grippée. L'absence de loi de programmation pose problème au regard du cadre européen.
actualisée lors de la loi énergie-climat de 2019, nos objectifs énergétiques sont à jour du paquet d'hiver de 2016 et non pas à jour, par contre, de l'ajustement 55 de 2021. Il faut donc intégrer les règlements pris, je pense à ceux sur le climat, l'aviation ou le maritime. Il faut aussi intégrer les directives prises, je pense à celles sur les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique. Ces directives, qui proposent des objectifs ambitieux, doivent être transposées d'ici 2025. Il faut s'atteler dès à présent à cet exercice de transposition, j'ai bien dit de transposition et non de surtransposition, en choisissant toujours les options les moins créatrices de normes et les plus protectrices de nos intérêts. En l'absence de loi de programmation, pose de problème aussi au regard des attentes soulevées. Dès 2021, le précédent gouvernement a lancé des concertations préalables. 30 000 contributions ont été reçues, 200 jeunes consultés. Les entreprises, les collectivités, les citoyens sont donc dans l'expectative. Dans sa délibération du 19 janvier dernier sur l'ancien projet de loi, le Conseil national de la transition écologique, je cite, « demande la présentation d'un calendrier de travail sur l'élaboration de la programmation énergie-climat ». Dans son avis du 25 janvier dernier, le Conseil supérieur de l'énergie, je cite là encore, « regrette la suppression du titre programmatique qui aurait permis de fixer un cap indispensable à la réussite de la transition énergétique et climatique ». Quels que soient les acteurs, économiques ou environnementaux, on constate là encore une forte attente pour légiférer. L'absence de loi de programmation pose problème au regard des besoins identifiés. Afin de réussir la transition énergétique, les filières économiques attendent un état stratège, un état clair, prévisible et légitime, un cap clair pour réaliser leurs investissements et mobiliser leurs financements. La filière nucléaire est demandeuse d'une assise législative actant la construction de nouveaux réacteurs. C'est un point crucial pour nous qui estimons que seule la loi peut offrir à la relance du nucléaire l'ambition politique et la protection juridique dont elle a besoin. Votre texte a le mérite premier de proposer une voie pour les générations à venir. Cette voie, nous la partageons sur plusieurs points, monsieur le sénateur. J'ai souhaité que nous puissions avancer ensemble sur tous les autres points qui nous posaient une difficulté. Ma position est claire, j'ai voulu reprendre chaque amendement du gouvernement déposé avant l'été et les retravailler avec les rapporteurs. Avec ce travail en commun, je souhaite que nous puissions aboutir à un texte sur lequel nous pouvons tous nous retrouver. Je sais toute l'importance de disposer d'un cadre législatif solide sur l'avenir énergétique de la France. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé, dès mon arrivée, dans ce ministère, un important travail de co-construction et je remercie nos équipes pour leur travail. Je remercie les rapporteurs Alain Cadec et Patrick Chauvet pour leur disponibilité et leur écoute. Nous sommes parvenus à trouver de nombreux points d'accord, je dirais même des consensus. J'espère qu'ils pourront avoir votre assentiment, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, notamment sur la définition d'un cap clair pour les 30 prochaines années. Ce cap, le président de la République l'a donné à Belfort en 2022. C'était une stratégie qui repose sur quatre piliers. Deux piliers sur la consommation auxquels je tiens tout particulièrement, la sobriété et l'efficacité énergétique. Deux autres piliers sur la production d'énergie décarbonée avec le nucléaire et le renouvelable. Quand on parle d'énergie renouvelable, ce sont tous les vecteurs. Tout le monde pense à l'électricité, mais c'est aussi le biogaz, la chaleur et les biocarburants. Avec Agnès Pannier-Runacher, nous avons mené des travaux sur la stratégie française énergie-climat jusqu'en 2023. Ces travaux ont dû bénéficier et ont pu enchérir nos réflexions. Pour répondre ainsi à cette stratégie, je porte trois objectifs qui tiennent en un simple mot, maîtriser. Maîtriser les prix pour protéger les consommateurs et œuvrer pour le pouvoir d'achat de toutes les familles sur tout le territoire. Maîtriser nos consommations en poursuivant nos efforts en faveur de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Nous voulons baisser nos consommations. Nous voulons baisser nos consommations de 30% d'ici 2030, en faisant un effort particulier sur les énergies fossiles, avec une baisse de 45%. Nous nous rejoignons sur ces objectifs, monsieur le sénateur Daniel Gremillet. C'est l'article 5 de votre proposition de loi. Enfin, nous voulons maîtriser nos outils de production, en s'appuyant sur la relance du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. C'est le choix le plus pertinent d'un point de vue écologique et économique.
C'est le choix qui répond le mieux à nos besoins de court et de long terme. C'est le choix le plus sûr pour notre sécurité d'approvisionnement et donc notre souveraineté. Ne nous enfermons pas dans une seule technologie. Enfin, c'est le choix le plus consensuel. Nous avons les talents, nous avons les ressources et nous avons les technologies pour atteindre ces objectifs. Sur le nucléaire, notre proposition est claire. Nous voulons continuer à nous assurer que les centrales nucléaires fonctionnent de façon sûre et compétitive. Nous voulons poursuivre le fonctionnement des centrales existantes et nous voulons développer le nouveau nucléaire avec un haut niveau d'exigence et de sûreté. Notre projet, c'est 6 EPR2 à Penlis, Gravelines et Bugey. 8 réacteurs supplémentaires sont à l'étude. Et il y a aussi les petits réacteurs nucléaires et des réacteurs nucléaires innovants. Après de longs mois, voire de longues années d'attermoiement des gouvernements précédents, refusant en réalité de venir dans un débat global devant le gouvernement sur les questions énergétiques. Et nous avons été nombreuses et nombreux, ici sur tous les bancs, à l'exiger, à le réclamer et même parfois à s'agacer. Avoir un gouvernement prendre projet de loi par projet de loi, découper notre politique énergétique par petits bouts. Un petit texte sur les énergies renouvelables, un petit autre sur l'accélération du nucléaire. Mais à un moment donné, il faut avoir une vision globale. Et donc, c'était refusé par ce gouvernement. Alors, il faut le dire, ce Cabanel l'a redit tout à l'heure, Madame Pannier-Runacher, en décembre, je crois que c'est Daniel qui l'a rappelé tout à l'heure, en décembre 2023, avait prévu un texte global. Mais il y a eu un remaniement, le petit Mozart de Bercy avec Roland Lescure, devenu ministre de l'énergie, a décidé d'enterrer le texte. Roland Lescure a même donné une interview dans le Figaro expliquant qu'il n'y aurait plus de débat sur les questions énergétiques parce qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale et que donc tout serait pris par voie réglementaire. C'est donc dans ce contexte que notre ami, notre collègue Daniel Gremillet, avec la droite sénatoriale, a décidé, et je l'en félicite parce que c'est un travail sérieux, je le redis ici, d'avoir un texte pour provoquer le débat. Et on devait avoir ce débat entre nous au lendemain des élections européennes. Patatras, le président de la République a décidé la dissolution, puis provoquer des élections législatives, après on connaît le résultat, les perdants sont devenus les gagnants sont devenus les perdants, les ennemis d'hier sont devenus les amis, et donc je vous demande une question, c'est que ce texte qui était fait pour qu'on ait un débat devient-il un projet de loi gouvernementale ? Parce que ce n'est plus du tout la même chose. Pardon, mais par exemple, moi je ne dis pas que le travail n'est pas sérieux, mais construire 6, 8, 14 ou 20 EPR, on ne peut pas le décider dans une proposition de loi. Pourquoi ? Et j'y suis favorable, je le redis, ici à la relance du nucléaire. Il nous faut un projet de loi avec une étude d'impact et l'avis du Conseil d'État. Et ce n'est pas la même chose que d'avoir une proposition de loi où on va trancher ce débat en 2 jours. Tout le monde ici, même la droite sénatoriale, le sait. Donc je vous le demande, première question, est-ce que c'est maintenant un projet de loi gouvernemental ? La deuxième question, c'est que de fait, ce texte est devenu caduc. Et je vais m'en expliquer. Par exemple, Daniel propose qu'on construise 20 nouveaux EPR et 15 SMR à terme. 14 plus 6 et 20 à terme. Très bien, mais ça va demander une capacité d'investissement pour l'énergéticien EDF. On est d'accord. Sauf que vos gouvernements, droite sénatoriale et Macronie, décident dans le PLF de transformer la CRIM, la rente inframarginale, en une taxe sur les capacités de production. 3 milliards d'euros taxés à EDF. Je vous le dis, ça sera contre. Nous voterons contre au PLF. Et j'espère que nous serons nombreux ici à le faire. Donc il y a une incohérence. Soit vous voulez relancer le nucléaire, mais il faut donc donner la capacité à EDF de le faire, soit le gouvernement dit qu'il faut taper en réalité les énergéticiens. Je vous proposerai autre chose au PLF, une taxe que nous inventerions sur les acteurs alternatifs pour taper la rente de ceux qui ne produisent rien. Et là, je pense que nous pourrons peut-être nous mettre évidemment d'accord. Nous divergeons sur les priorités, cher Daniel. Vous donnez la priorité absolue au nucléaire. Rappelons quand même que
Les dispositions de cette PPL, sur ce point, dépassent largement le périmètre de la loi quinquennale ou de la programmation pluriannuelle. Notre objectif, notre horizon, c'est 2035. Il n'y aura pas un EPR2 en service à cette période-là. Et puis, ça a été dit par Fabien Gay, ni étude d'impact, ni avis du Conseil d'État. Il faut le dire, reconnaissons-le, dans cet hémicycle, vous avez une passion pour les EPR. Et dans la passion, il y a aussi de l'irrationalité. Parce que si on se dit la vérité sur le nouveau nucléaire, Flamanville, 12 ans de retard, 16 milliards de surcoûts. C'est, en termes de surcoûts, la même chose pour Hinkley Point. Quand on regarde sur les EPR2, dont on ne peut pas dire le prix aujourd'hui, puisque le design n'est pas finalisé, on est au moins sur 13 milliards d'euros la tête de pipe. Donc, si on est sérieux, déjà, pas le début d'une réponse sur comment on va financer ça, ça a été évoqué, et qui va le financer. Donc, franchement, programmer d'ici 2035 16 EPR, 15 SMR et peut-être 6 de plus, ça n'est pas, selon moi, sérieux. La réalité, c'est que ces EPR2, qu'on soit pour ou contre, ils ne seront pas opérationnels d'ici 2035. Et d'ici là, eh ben, pour avoir des énergies décarbonées, il faut déployer les énergies renouvelables. Alors, c'est abordé en partie dans le texte, mais reconnaissons que sur le photovoltaïque et sur l'éolien, vous êtes un peu frileux. Alors que partout dans le monde, sont les énergies qui se développent très largement et le plus. D'ici 2030, 10 pays européens auront plus de la moitié de leur électricité fournie par le photovoltaïque et l'éolien. Et quasiment tous nos voisins, les Britanniques, les Allemands, les Belges, les Espagnols. Et donc, il est temps, encore une fois, que la France respecte ses engagements européens et mette le paquet là-dessus. Il y a un point sur lequel on peut travailler, il faudrait travailler beaucoup ensemble. C'est la question de la politique industrielle. Le nucléaire existant a besoin de compétences, de savoir-faire et incontestablement d'usines, parce qu'on en a pour des décennies. En revanche, Madame la Ministre, quand le gouvernement abandonne, c'est bien de parler du pacte solaire, c'est bien de parler du pacte éolien, la réalité, c'est que toutes les entreprises, sur les territoires, vous les abandonnez. General Electric, vous vous souvenez, Macron, ministre de l'économie, et Alstom, qui va licencier 60% de son personnel en Loire-Atlantique. Chers collègues, vous dépassez largement, si vous pouviez tenir un petit peu. Je vais conclure. Donc, merci beaucoup pour. Travaillons sur des politiques industrielles, parce que notre souveraineté énergétique, c'est aussi notre souveraineté industrielle. Et puis, Madame la Ministre, puisque vous êtes là, nous attendons du gouvernement un texte qui, à la fois, tient nos engagements européens et, encore une fois, nous donne une transition énergétique dont nous avons tellement besoin. Voilà pour cet extrait de la séance qui se tenait cette semaine au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Daniel Grémillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur LR des Vosges et vous êtes un des auteurs de cette proposition de loi sur la programmation nationale de l'énergie. Alors, avant de rentrer dans le détail des mesures que vous voulez pour notre mix énergétique français, un mot sur le contexte autour de ce texte. Depuis la loi climat de 2019, il est prévu que le gouvernement programme la trajectoire du pays en matière d'énergie. On attendait donc un texte même l'an dernier et qui n'est jamais venu. C'est ça l'idée, c'est que vous reprenez l'initiative avec ce texte, c'est ça? On ne peut pas accepter qu'effectivement, depuis 2019, les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans le cadre d'une commission mixte paritaire, ont considéré qu'il était important qu'il y ait le débat parlementaire, que le Parlement, soit en capacité de débattre de la vision énergétique. À long terme, mais surtout, quand on voit l'importance que cette énergie joue pour nos concitoyens, pour les collectivités, pour l'économie, la relance de l'économie, la souveraineté énergétique, c'est quelque chose qui se prépare. Et surtout, les investissements en matière d'énergie, c'est du long terme. Oui, et vous dites que le refus de légiférer de la part du gouvernement pose beaucoup de problèmes, et même un problème sur le plan des principes démocratiques, je cite le rapport. C'est grave, cette absence de texte de programmation énergétique ? Le principe, quand la loi dit qu'il doit y avoir un débat au Parlement, effectivement, la loi doit être respectée. C'est une loi quinquennale. Ce débat aurait dû avoir lieu en 2023. Ouais. Il aurait dû être voté mi-2023. Aujourd'hui, on est en octobre 2024. Ouais. C'est pour ça que je me suis permis, avec d'autres collègues, de déposer ce projet de loi pour qu'il y ait un débat au Parlement, qu'il y ait un débat au Sénat et qui est le fruit du travail depuis un certain nombre d'années.
à la fois en tant que président du groupe énergie, mais aussi en tant que rapporteur et membre de la commission des affaires économiques et du très Sénat. Très rapidement, comment est-ce que vous comprenez ce refus d'obstacle de la part du gouvernement Borne puis Attal? C'est qu'ils ont peur de trancher cette question? Ils avaient peur de trancher cette question? Je pense que c'est un sujet qui peut être passionné. Le travail que j'ai réalisé avec mes collègues, c'est une vision énergétique, non pas qui doit permettre de nous retrouver en matière d'énergie pilotable. Je pense au nucléaire, je pense à l'hydroélectricité, je pense au renouvelable, parce que le renouvelable sera la seule possibilité d'augmentation dans les 10 prochaines années en termes de production d'énergie électrique. Je pense au biogaz, je pense à l'hydrogène, mais je pense aussi aux économies d'énergie, à la rénovation des bâtiments, qui est aussi essentiel en termes de sobriété. Allons-y, Monsieur Grémier, allons sur le fond, car au cœur de votre texte, vous avez commencé à le dire, il y a priorité donnée au nucléaire, on peut le dire, avec au moins 27 gigawatts de nouveaux nucléaires, dont 14 EPR de nouvelle génération, 15 SMR, les Small Modular Reactors, un des petits réacteurs nucléaires. C'est la priorité de cette proposition de loi de programmation énergétique, c'est bien la relance du nucléaire, le fait de conforter cette filière. Mais il est essentiel de la relancer. On est aujourd'hui un peu en panne. On voit bien les difficultés qu'on a eues à construire Flamanville. Aujourd'hui, si nous voulons, là encore, faire que des jeunes s'intéressent, rentrent dans des formations dont nous avons besoin, il est essentiel de donner un cap, de donner une vision. Si vous voulez qu'il y ait des industriels qui s'intéressent et qui investissent aussi, c'est de cette manière-là. Il faut travailler en série. C'est la série qui vont faire que tout simplement... va diminuer les coûts en termes de construction et l'énergie nucléaire, parce que n'oublions pas un point. J'ai commencé par ça dans mon propos, oui. C'est l'urgence climatique. L'urgence climatique aussi qui va de pair avec l'énergie, parce que... fait de décarboner effectivement notre production d'énergie. L'énergie nucléaire, l'énergie hydroélectricité, l'énergie à partir du renouvelable, ce sont des énergies complètement décarbonées. Donc c'est quelque chose qui est essentiel et même les scientifiques du GIEC disent le nucléaire, nous en aurons besoin. Et quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, on voit bien que tout le monde est en train de relancer les constructions de centrales nucléaires, de nouvelles générations nucléaires. Oui. Et d'ailleurs, dans le texte, je vais très loin, puisque nous avons, si on est en capacité sur les neutrons rapides de faire des centrales, le projet Astrid, qu'il faut remettre au goût du jour. Oui. On a plus d'un siècle de combustible qui est sur notre territoire. Que vous a dit le gouvernement? Que vous dit le gouvernement sur votre texte? Est-ce qu'il pourrait le soutenir si, par exemple, vous modérez certains points? Ça pourrait être la copie finale du gouvernement? Il y a un travail qui a été fait, il y a eu beaucoup d'échanges. Je voudrais dire remercier nos trois rapporteurs, notamment Alain Cadec et Patrick Chauvet, qui ont beaucoup travaillé, beaucoup auditionné. Ce texte, il était attendu. Quand je vois, il y a unanimité quasiment sur l'accueil de ce texte. Il y a débat. Je ne dis pas que dans ce texte, tout est pas, qu'il n'y a rien à modifier. Ouais. Je souhaitais qu'il y ait un débat. Et on voit bien que sur l'architecture, la colonne vertébrale, notamment les 27 gigawatts, le gouvernement, on est complètement conscient et on est d'accord. Après, il faut donner des signaux. Vous venez de parler à l'heure actuelle des SMR. Si vous n'aurez pas de start-up, d'entreprises françaises qui vont investir si on ne donne pas là aussi un cap. Et ça peut être aussi des solutions dans certains territoires pour certaines entreprises énergivores. Daniel Grémier, j'ai une dernière question, si vous le voulez bien. Un mot sur le débat actuel sur l'énergie, cette taxation de l'électricité dans le budget 2025. Certains sénateurs parlent d'un signal délétère alors qu'on essaye de transformer les mobilités, d'électrifier les usages. Qu'en pensez-vous? Dans le même temps, en plus, alors que le gaz, lui, va être épargné par une nouvelle taxation. Qu'est-ce que ça dit des signaux envoyés? Alors, volontairement, dans le texte, je n'ai pas parlé du financier. Le côté... finance sera abordée après. Bien sûr, c'est le débat que nous allons avoir dans la loi de finances. Bien sûr, mais c'est une question d'actualité que je voulais vous poser. En termes de questions d'actualité, il était normal, dès lors qu'on est sorti de la crise, de retrouver l'assise de participation à l'effort national. De remonter national. Les taxes, ça ne vous choque pas? C'est pas de remonter, de revenir au niveau précédent. Si on est dans une augmentation de ces taxes qui feraient une contribution supplémentaire, ça pose un questionnement. Parce qu'on sait tous que l'énergie est une question aussi de compétitivité de nos entreprises. Et on ne fera pas de relance économique dans notre pays si on n'a pas de compétitivité sur l'énergie, y compris l'électricité. Et le gouvernement qui promet une baisse de la facture lorsque, il y aura effectivement le projet de loi de finances, une baisse de la facture de 9%.
En tout cas, c'est pour l'heure le signal envoyé par le ministre de l'Économie. Merci Daniel Grémillet pour cette réaction au micro public Sénat. Merci. Merci. On en vient au troisième thème dans cette émission et les représentants des entreprises qui étaient reçus au Sénat cette semaine. Le président du MEDEF qui a eu la dent dure sur le budget 2025. Les économies proposées sont insuffisantes, mal documentées et assez peu crédibles, a dit Patrick Martin. On écoute, on y revient juste après avec une invitée. Je voudrais commencer par insister sur un point qui ne me semble pas suffisamment pris en compte dans les projets de loi de finances et projets de loi de finances de la Sécurité sociale, qui est la conjoncture. Très clairement, cette conjoncture est en voie de dégradation avancée et je n'identifie plus guère de filières qui se portent bien actuellement. Même l'aéronautique, mais pour des raisons bien différentes, est en train de ralentir. Les prévisions de croissance qu'énonce le gouvernement à hauteur de 1,1% pour 2025, à partir de là, nous paraissent audacieuses. En dehors même, et je vais y venir, de l'effet récessif qu'un certain nombre de mesures prévues par ces PLF et PLFSS pourraient avoir sur l'activité. Il y a une forme de fragilité économique actuellement qu'il nous faut, me semble-t-il, tous avoir en tête. De la même manière, et c'est dans cet esprit que je m'étais permis de vous écrire, qu'on a un durcissement très fort de la concurrence internationale sous différentes formes. Bien sûr, tout ce que les États-Unis ont engagé et poursuivent autour d'un prix de l'énergie qui, je le rappelle, est à ce jour, s'agissant du gaz, 5 fois inférieur encore à ce à quoi on peut accéder, nos entreprises peuvent accéder en France. Bien sûr, les programmes de subvention Inflation Reduction Act, Data Act et le grand programme d'infrastructure. Et puis d'un autre côté, si on peut parler ainsi, la Chine qui, elle, est très offensive, que ce soit sur les véhicules électriques, sujet d'actualité, mais également les panneaux photovoltaïques, l'acier. Et donc, il est important que l'Europe, la France, dans ce panorama, ne se démunissent pas d'un certain nombre d'atouts et surtout ne se mettent pas sur pause ou sur marche arrière. S'agissant des textes qui ont été proposés, nous nous sommes inquiets parce que d'abord, ce sur quoi nous pouvions nous accorder, à savoir des mesures ciblées et ponctuelles, en réalité, et je crois que l'avis du Haut Conseil des finances publiques va dans ce sens, pèse très lourdement sur les entreprises et de manière pérenne ou structurelle. Et en regard, les efforts que nous appelions de nos voeux sur la réduction de la dépense publique, et quand je parle de réduction de la dépense publique, je ne parle surtout pas de dépenses fiscales, je parle bien des dépenses de fonctionnement des différentes sphères publiques, de l'État au premier chef. Donc les économies qui sont proposées nous paraissent insuffisantes, mal documentées et, je me permets de le dire, assez peu crédibles. Donc ça nous pose un vrai problème parce que ça conduit à la conviction d'une part que ce projet de loi de finances et ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale dégraderont la compétitivité des entreprises françaises, dégraderont l'emploi. Et alors même que nous nous accordons sur un objectif de désmicardisation, conduiront à renier, à travers la réduction des allègements de charges, conduiront à renier la capacité qu'auront nos entreprises à accorder des augmentations de salaire. Donc il y a une forme de paradoxe entre les intentions énoncées et les mesures proposées. Je voudrais insister sur quelques points. J'ai évoqué à l'instant les allègements de charges. Je pense que tout ça a été très mal documenté. Je pense que les deux éminents économistes que nous avons les uns et les autres vus, hein, messieurs Bozio et Vasmer, ont rempli un des objectifs qui leur étaient fixés, qui était celui du lissage des allègements de charges autour des problèmes bien réels, hein, de trappe à bas salaire, mais n'ont pas traité le deuxième point qui nous paraît tout aussi important, qui est celui, je le rappelle, de l'équilibre entre les revenus du travail et des transferts sociaux, singulièrement autour de la prime d'activité, alors qu'il nous semble qu'il y a des voies de passage importantes dans le rééquilibrage entre ces deux sources de revenus, avec des situations ici et là bien identifiées, assez caricaturales, de salariés à temps partiel. On sait que c'est le temps partiel qui bien souvent est à l'origine de la pauvreté des salariés, mais qui refusent de travailler plus de peur de perdre le bénéfice d'un certain nombre de ces dispositifs sociaux, la prime d'activité au premier chef. C'est particulièrement vrai dans l'aide à domicile, dans le médico-social et dans un certain nombre d'autres métiers très pourvoyeurs d'emplois. Donc c'était déjà une équation compliquée. Le fait que le gouvernement, dans le cadre d'une situation budgétaire que nous ne méconnaissons pas,
qui est extrêmement lourde, et dans le cadre d'un calendrier qui, par ailleurs, est extrêmement court et extrêmement contraint. Le fait, quand même, que le gouvernement veuille chercher 5 milliards d'économies sur les allègements de charges nous paraît extrêmement dangereux. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, par ailleurs, sur la conjoncture. De la même manière, sur les aides à l'apprentissage, nous sommes conscients qu'il faut réduire l'enveloppe. Nous, notre proposition, c'est de la réduire de manière uniforme, parce que fixer un double critère de taille d'entreprise à travers l'effectif et de niveau de formation nous paraît de nature à dissuader un certain nombre de jeunes d'origine modeste de poursuivre leurs études au même moment où, je crois, d'un avis général, nous souhaitons que l'ascenseur social fonctionne. Sur les dépenses, sur les mesures à proprement parler fiscales, la surtaxe d'IS va être extrêmement lourde pour un nombre d'entreprises qui, à mon avis, sera plutôt de l'ordre de 700 à 800 que de 300, comme ça peut être dit dans un premier temps. Mais j'allais dire, peu importe. Et je précise que ma propre entreprise va être touchée. Donc je souffre dans ma chair en vous disant ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faut que ce soit extrêmement ponctuel, je le redis. Et puis, par ailleurs... Ouais. C'est l'augmentation momentanée, oui, sur une période de temps, oui, de la taxe pour les entreprises. Oui. Le palier, pour l'instant, était fixé à... Il y a un premier palier à 1 milliard, un deuxième palier à 3 d'affaires. Milliards. Alors, je suis à contre-emploi en disant ça, hein, d'autant que ces entreprises, j'imagine pour leur quasi-totalité, sont au MEDEF. Hein. Et je sais les réactions des dirigeants de ces entreprises, mais sous réserve à nouveau que ce soit très limité dans le temps... est formellement limité dans le temps et à un niveau de surtaxe d'IS supportable. C'est 41% quand même de surtaxe d'IS pour les entreprises de plus de 3 milliards d'euros. Donc c'est très douloureux. Et ne nous racontons pas d'histoire. Ces entreprises qui sont bien équipées en la matière feront de l'optimisation. Et donc le rendement qui est attendu, 8 milliards d'euros sur une première année, 4 milliards sur une deuxième année au titre de cette surtaxe d'IS, me laisse un peu dubitatif. Deux ans maxi, alors bon, c'est ce qui se passe, hein. La CVAE est supposément supprimée depuis 2 ans déjà, la C3ES depuis 12 ans déjà, donc on est un peu méfiant, mais faisons confiance aux législateurs et à nos gouvernants. Donc sur le fiscal, on est assez interrogatif. C'est surtout sur le social, en définitive. Alors je sais bien que les réductions de charges relèvent du PLF, hein, puisque pris en charge par l'État lui-même. Je pense qu'il faut complètement remettre à plat le raisonnement et la décision. Je le redis, ça sera préjudiciable à notre compétitivité si on raisonne sur les salaires au-delà de 2,5 SMIC ou 3 SMIC. Donc c'est l'industrie en bonne partie. Et ce sera préjudiciable à l'emploi et aux capacités de revalorisation salariale sur, au contraire, l'entrée de grille, SMIC jusqu'à 1,2 SMIC, où, à titre d'illustration, dans la propreté, vous avez plus de 60% des emplois entre 1 et 1,2 SMIC. On va avoir l'augmentation de 2 points du SMIC. Si de surcroît, il y a progressivement 4 points de charge en plus, ces entreprises qui, en moyenne, dégagent 2 à 3% de résultats avant impôts sont mécaniquement en perte. Il ne faudra pas leur demander d'embaucher, il ne faudra pas leur demander de revaloriser les salaires. Je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit donc sur l'apprentissage. Voilà, donc je termine en vous disant, on est conscient qu'il nous faut participer à l'effort de guerre. On est conscient de la situation critique des finances publiques. On est conscient de l'urgence dans laquelle le gouvernement doit se prononcer. Mais à de vrais problèmes sont apportés, nous semble-t-il, de mauvaises réponses. Et nous serons très attentifs par ailleurs à ce que, dans les projets qui vous ont été proposés, présentés, n'est pas prévu. Je veux parler, bien sûr, du rétablissement de l'ISF, qui serait un signal terrible, surtout si, comme certains le proposent, il prenait en compte l'outil de travail. Nous serons très attentifs à ce que le Dutreil ne soit pas mis en cause. Au MEDEF, nous avons 97% de nos entreprises qui sont patrimoniales. Mon entreprise est patrimoniale. Je parle d'expérience qui a à la marge des petites précisions sur les actifs éligibles au Dutreil. Ça peut s'imaginer qu'il soit plus fondamentalement remis en cause. A fortiori, si l'ISF est rétabli, je peux vous dire que ça sera fatal pour les entrepreneurs français. De la même manière qu'il n'a pas été prévu jusque-là de rehausser le taux de PFU, ça nous paraît tout à fait louable. Et enfin, je finis par le crédit d'impôt recherche. 15 000 entreprises qui en bénéficient. J'étais jeudi dernier, dans une entreprise d'aéronautique en Corse qui m'a expliqué que sans le crédit d'impôt recherche,
elle arrêtait de travailler, tout simplement. 15% de dépenses de R&D par rapport à son chiffre d'affaires. Donc voilà, si déjà ce qui n'a pas été prévu peut ne pas être actionné, et si par ailleurs et surtout on s'interroge sur les effets économiques au-delà des effets purement budgétaires des décisions prévues, je pense que ça sera une très bonne chose. Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste une toute petite précision. Je regardais juste avant. Alors, ça tombe jamais au bon moment, un redressement budgétaire de l'État. Mais là, par rapport aux entreprises, je voulais juste signaler, notamment à mes collègues, 43 400, c'est le nombre de procédures par rapport aux entreprises qui a été ouvert depuis le 1er janvier. Si on continue sur le même rythme, ça sera le total record de ces 10 dernières années, puisqu'une des plus grosses années doit être 2016 ou 2017 avec 55 000. Donc, c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. L'objectif étant de se dire jusqu'où on peut légiférer pour que les entreprises, effectivement, participent, quelles qu'elles soient, au redressement budgétaire de l'État. C'est un peu le sujet de la table ronde, sans pour autant accentuer la difficulté. On sait que tout le monde doit participer. La situation, on est au pied du mur de la dette, comme je l'ai dit. Mais le fait, c'est de sentir, et c'est pour ça qu'on compte sur vous, jusqu'où et sur quoi. Pardon, Président Martin. Est-ce que je peux me permettre de compléter votre intervention en signalant qu'effectivement, en termes de nombre total de dossiers, on va battre le record qui en réalité remonte à 2010, hein, si j'ai bonne mémoire. Mais ce qui me paraît encore plus important, c'est qu'on voit au fil des jours rentrer en procédure judiciaire des entreprises de plus en plus importantes, des PME, des ETI, et dans des secteurs d'activité de plus en plus divers. Alors il y a un point absolument critique sur toute la filière bâtiment, j'insiste, toute la filière, c'est-à-dire que l'amont industriel de la filière commence à être impacté, bien sûr les professionnels de la construction, mais également les métiers de service, que ce soit les agences immobilières, les régies, etc., qui gravitent autour. Il y a 1000 dossiers de transporteurs routiers actuellement en redressement judiciaire ou en liquidation. Donc, gros impact sur le transport routier. Et je finis, pardon d'être un peu long, en attirant votre attention sur le fait qu'on commence à voir apparaître des dossiers là aussi de PMI ou d'ETI industriels et notamment dans la filière automobile. Voilà, donc il y a la masse globale, le nombre global de dossiers, il y a la nature, j'allais dire la qualité des dossiers qu'on trouve, qui est en elle-même assez inquiétante. On va vous donner la parole, Madame Grandjean. Donc, je rappelle, vous êtes vice-présidente du Métic. Merci. Oui. Alors, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire représente en France 3,8 millions de salariés, 40% dans l'industrie, 75% dans les territoires. C'est la marque vraiment des entreprises de taille intermédiaire lorsqu'elles sont placées. Elles ont leur siège social dans les territoires et elles apportent pour autant 34% de l'exportation française. Donc ce sont des entreprises qui ont un ancrage territorial très fort, et donc c'est en cela que je suis très, très contente de pouvoir parler à des sénateurs et sénatrices qui sont eux aussi très ancrés dans leur territoire et qui comprennent bien toutes ces problématiques-là. Parce qu'une ETI, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est aussi un lien social, c'est aussi une grosse boîte du coin qui fait vivre des sous-traitants, qui fait vivre, qui fait en sorte que le lien social, que le lien avec les collectivités locales, le commerce, continue à prospérer dans les territoires, très loin dans les territoires. Je viens de Ferrières en Gâtinais, qui est une petite ville à 1h30 d'ici, mais absolument personne ne viendra à Ferrières en Gâtinais si ce n'est pour venir travailler dans mon entreprise. Alors, le poids est très important des ETI dans l'activité française. Et le budget tel qu'il a été présenté, ou du moins tel qu'il a été annoncé, alors on sait qu'il va y avoir des amendements, il va y avoir de la discussion, et avant que ça arrive au Sénat, il va encore se passer beaucoup de discussions. Mais tout ce que l'on voit à l'heure actuelle, et je rejoins là M. Martin, c'est pas du tout la réponse à la situation actuelle, puisque ce n'est que, alors que vous l'avez dit, votre obsession, c'est de faire en sorte que nous puissions, en tant que chef d'entreprise, faire prospérer nos territoires et faire prospérer la France. Les solutions qui sont présentées à l'heure actuelle, ça ne va faire qu'empirer la situation, le contexte actuel. Le contexte actuel, c'est effectivement
une suite de crises depuis cinq ans, depuis le Covid. Nous avons subi énormément de crises, la dernière étant la crise énergétique. La crise énergétique, pour toutes les entreprises dites industrielles, ça a un poids excessivement lourd. C'est toujours d'actualité, même si on en parle moins, c'est toujours un sujet très important pour les entreprises à l'heure actuelle. C'est des coups de rabot sur leur rentabilité immédiate. Ce qui fait que les défaillances d'entreprises, je suis par ailleurs juge au tribunal de commerce de Orléans, la pile, elle commence à être haute comme ça. Des défaillances d'entreprise. Et pour les ETI, il y a un doublement des faillites ou des procédures qui sont en cours dans les ETI, aussi bien dans le retail, dans l'habitement, que dans la construction, mais également dans la cosmétique, mais également dans l'aéronautique et dans l'automobile, ça va bientôt arriver. Donc c'est tout secteur confondu. La difficulté que nous sommes en train de traverser en France, on en est tout à fait conscient et on le paye dans notre sang, dans nos entreprises. Pour autant, cette rafale de crise que l'on a traversée, on les a quand même traversées. On a quand même réussi à faire en sorte qu'il n'y ait presque plus de chômage de jeunes grâce à l'apprentissage. On a quand même réussi à faire en sorte qu'il n'y ait presque plus de chômage, ou du moins un chômage sur lequel il est beaucoup plus difficile d'agir. On a quand même commencé à réindustrialiser la France. Il y a eu un mouvement qui s'est fait. On a quand même fait en sorte que l'état d'esprit général sur la vision que l'on a de l'entrepreneuriat soit complètement changé en quelques années, en une bonne dizaine d'années. Il ne faudrait pas que les mesures qui semblent vouloir être prises à l'heure actuelle cassent cette dynamique, cassent cette volonté de faire en sorte que la France reste souveraine dans ses industries, dans ses chaînes de valeur et dans sa rentabilité pour le pays. Les mesures, si on les balaye, effectivement, c'est sur la partie sociale où ça nous paraît complètement démesuré. On a fait un calcul d'impact, c'est entre 1 à 2% d'augmentation de la masse salariale. C'est pas grand-chose, 1 ou 2%, si. 1 ou 2%, c'est l'augmentation générale que moi j'ai fait l'année dernière sur mon entreprise. Donc c'est celle que je ne ferai pas l'année prochaine. Donc c'est du pouvoir d'achat en moins pour tous nos salariés. Sur la partie apprentissage. Alors là, on avait réussi à faire en sorte que les jeunes qui étaient déconnectés de l'emploi puissent, et de toute classe sociale, et spécifiquement des classes sociales défavorisées, puissent rentrer dans une entreprise, acquérir un savoir, quel que soit leur niveau, et monter en compétences. Si on met un coup de rabot, soit sur les tailles d'entreprise, soit sur le niveau d'études, on se coupe d'une montée en compétences de tous nos jeunes, et on se coupe également de l'état d'esprit d'accueil qui a été initié par cette prime liée à l'apprentissage. Dans les PME, dans les ETI, la seule façon d'attirer à Ferrières en Gâtinais des compétences des jeunes, ben c'est en leur offrant un petit salaire et beaucoup de compétences et un sujet intéressant. Si vous cassez cela, moi j'ai fait le calcul dans mon entreprise, c'est un coût d'apprentissage à plus 20% si on passe de 6 000 à 4 500. 20% de coûts en plus sur ma section apprentissage. C'est non négligeable. C'est un jeune sur 5-6 que je ne prendrai pas. Qu'est-ce qu'on va faire des jeunes que je ne prendrai pas? Donc le coût sur l'apprentissage, le coût social, le coût lié à tout... Bon, on ne va plus parler des taxes de production parce que moi j'ai déjà des cheveux blancs. Même quand j'avais des cheveux qui étaient un peu moins blancs, on en parlait déjà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter de parler des coûts de production. Les coûts de production, on ne veut pas que ça baisse pour baisser. On veut simplement que ce soit au même niveau que la compétition, que ce qui se passe en Europe. Or, ce n'est pas le cas. On ne voulait que cela, qu'on soit tous mis au même niveau de compétitivité. Toutes ces décisions qui semblent vouloir être prises vont avoir un impact sur les ETI excessif.
excessif et ça va casser complètement la dynamique. Alors qu'il y a des choses qui peuvent être faites, d'autres choses qui peuvent être faites. Je sais qu'au Sénat, vous aviez fait un rapport très important sur la simplification. Et on a déjà eu deux ministres de la simplification. Il faudrait peut-être à un moment que ce soit... Non, c'est bon. Le vote solennel du projet de loi simplification qui était prévu 2 jours après la dissolution est réinscrit le 22, là. Voilà. Donc après, il y aura le passage à l'Assemblée nationale, puis on va s'engranger très vite vers une CMP, commission mixte paritaire. Donc voilà, on est vraiment dans l'actualité. La surtaxe d'IS, ça va quand même toucher 155 ETI, qui sont des champions dans leur secteur. Donc c'est pas que les très grosses boîtes, hein. C'est 155 entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est pas en bridant ou en mettant des charges supplémentaires sur les entreprises qu'on va sortir par le haut de la problématique de la dette. À mon modeste niveau de chef d'entreprise, et en aucun cas je ne voudrais dire que l'État doit être géré comme une entreprise, mais lorsqu'on traverse des moments difficiles, on sait où il faut faire des économies. On fait des économies. On fait très attention à tous nos frais. Et on va à l'os. Mais on n'arrête pas les embauches. On n'arrête pas les investissements qui, structurellement, vont nous permettre de passer ce cap difficile. On a toujours une vision à long terme et on ne s'arrête pas aux prochaines élections ou aux la prochaine AG. Et cette vision qui avait été initiée et qui semblait commencer à porter ses fruits, parce que le montant de l'IS qui a été récupéré par l'État, il a beaucoup augmenté ces dernières années. Ce mouvement-là, il ne faudrait pas qu'on l'arrête avec les décisions qui sont à l'heure actuelle envisagées. Voilà. Merci, Madame Grandjean. Une petite question quand même, je vais vous redonner... 1 minute 32 la parole avant de laisser la parole au président Asselin. J'ai compris que même s'il le fait la mort dans l'âme, le président Martin dit bon, la contribution particulière pendant 2 ans de cet impôt pour les très grandes entreprises, bon, on peut. Le décalage sur 3 ans de plus à discuter de la suppression de la CVAE, bon, j'ai pas entendu. Parce que moi, nous, on est là aussi pour savoir quelles sont vos propositions pour contribuer au redressement de l'État. On sait qu'il faut que tout le monde participe. Je suis transparent quand je dis ça. Et les propositions du métier ou les choses que vous accepteriez, je ne sais pas, 1 ou 2 choses. Alors, je rejoindrai M. Martin qui l'a dit tout à l'heure. Du transitoire qui dure, malheureusement, on connaît. Donc, si vous nous dites 2 ans, OK, mais je ne veux pas remettre votre parole en doute, mais je voudrais quand même qu'on sache que le transitoire n'a jamais existé. Mais ça n'a jamais existé. Donc, si on commence à mettre le doigt dans cette surtaxe d'IS, quand est-ce qu'on arrivera à sortir? Et puis, quels sont les critères de sortie? Et puis, donc, ça, c'est quand même c'est quelque chose qui nous sur paraît... Sur l'apprentissage, c'est niet. Et sur l'apprentissage... trouver la solution alternative. Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes qui rentraient sur le marché du travail et qui permettaient en plus d'être mieux rémunérés, qui rentrent après leur apprentissage à un meilleur niveau de salaire, donc avec un meilleur niveau de pouvoir d'achat. C'est quoi l'alternative? Moi, j'en ai pas. Je fais un peu de provoque. Une conséquence qui serait la révision un peu à la baisse de la rémunération d'apprentis? C'est ce que je vous ai dit, passer de 6 000 à 4 500, c'est un coût de 20% supérieur. Leur salaire à eux, il est déjà encadré avec le SMIC et l'âge. Si on change, on fait un peu plus, un peu moins, ça fait des coûts. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce ne soit pas des charges que l'on rajoute sur leur salaire, mais qu'on leur offre à eux une augmentation supplémentaire. Baisser les salaires des apprentis qui vous nécessiterait, vous, moins d'accompagnement de l'État. Alors, moi, je reconnais qu'un apprenti qui est en CAP, c'est pas énorme. Mais
Je fais exprès de la provocation, mais quand je vois des fois le salaire de certains apprentis de plus de 18 ans en études supérieures, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'écart pour quelqu'un qui est presque 50% du temps à l'école et 50% du temps à l'entreprise par rapport à, et ça n'a rien de péjoratif, un smicard qui passe 35 heures minimum par semaine à l'entreprise. Voilà. C'est le seul moyen pour qu'ils montent en compétences. Et si vous ne leur offrez pas un salaire, ils arrêteront leurs études. Ils rentreront sur le marché du travail avec leur niveau. Bac plus 2, bac plus 3. Donc vous vous privez, nous nous privons collectivement d'une montée en compétences. Merci Madame Grandjean. Monsieur le Président Asselin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Finalement, vous avez en face de vous des gens extrêmement dociles. Pourquoi ? Parce que nous sommes les plus ponctionnés d'Europe. Et finalement, la seule chose qu'on demande, c'est pas plus. On l'accepte déjà. Franchement. Franchement. Et là, dans ce projet de loi de finances, on prend la question de la dette de notre pays, qui est abyssale, qu'il faut bien évidemment résorber. C'est impératif. On prend la stratégie de commencer par le volet fiscal, sans parler de l'essentiel. En fait, on connaît tout. Tout est documenté. On sait très bien que les hôpitaux en France sont suradministrés par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. On sait très bien que le nombre de fonctionnaires par rapport au nombre d'habitants de notre pays est surdimensionné. Depuis que je suis tout petit, j'ai tout le temps entendu, quand ça va pas dans la fonction publique, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de moyens. On est de plus en plus nombreux, on a mis de plus en plus de moyens. Pour en plus, un service public où on entend les Français qui se désolent parce qu'ils perdent en pertinence, en qualité. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose ? Pour résorber la dette du pays, eh bien, c'est d'orienter une ponction fiscale supplémentaire et sociale sur ceux qui créent la richesse. Les risques tout, enquiquinés par les risques rien, ce n'est pas des personnes, mais c'est la norme incompréhensible, c'est la loi bavarde, c'est le règlement inapplicable. Bref, voilà dans quelle situation nous nous sommes mis collectivement. Hein. Parfois, on peut balayer devant notre porte aussi, parce qu'on peut être créateur de normes. Mais en attendant, nous sommes ceux qui faisons bouillir la marmite. Et quand on me demande quel choix serait si on prend ça ou ça, finalement, on me demande quel supplice choisissez-vous ? Vous voyez, j'ai envie de vous répondre, écoutez, le sujet, il n'est pas du côté des entreprises. Il est du côté de nos régimes sociaux qui sont à l'agonie. Il est du côté de l'action publique qui est perfectible. Donc il est des côtés d'une vraie stratégie pour redresser l'action publique. Et si les efforts qu'on nous demande était corrélé à un plan de réforme de l'action publique, ben, je pense que je n'aurais peut-être pas la même attitude ce soir que j'ai devant vous. Vous voyez ? Bon, j'ai posé le cadre du débat. Sur les mesures, on ne peut jamais séparer la personne physique, celle du chef d'entreprise, de la personne morale, l'entreprise elle-même. Il ne faut jamais l'oublier, surtout dans les entreprises patrimoniales. Et c'est le cas de nombreuses PME et d'ETI. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, vous voyez, par exemple, en 2012, quand on a connu une sorte de purge fiscale, je me souviens, dans mon entreprise, moi, j'ai une spécialité, je suis dans la restauration du patrimoine. Et les clients qui viennent voir l'entreprise, ce ne sont pas des gens qui viennent avec un catalogue d'une grande enseigne de bricolage. C'est généralement des gens qui consacrent beaucoup de leurs moyens, parfois même au-delà du raisonnable, mais qui ont pour levier la défiscalisation. Et lorsqu'on avait fiscalisé les dividendes sur l'impôt sur le revenu, en un an et demi, j'ai perdu 50% de ma clientèle privée. Deux ans après, j'ai réduit la voilure de mon entreprise en perdant des compétences. Non, difficile à retrouver. Non. Donc, c'est pas rien, cette histoire de fiscalité. Et lorsque, c'est pour ça que ça va faire bizarre que le patron des PME parle comme ça, mais quand on veut mettre une surtaxe sur les grandes entreprises, je ne vais pas jouer le match les petits contre les gros. Je ne suis pas satisfait d'être préservé d'une ponction dans ma PME parce que c'est un plus gros que moi qui va l'avoir. C'est absurde comme raisonnement. Le plus gros fait travailler le plus petit. Et puis, si vous voulez, une fois que ça sera fait, si on ne réforme pas l'action publique, qu'est-ce qui se passe dans un an ? Eh bien, il va falloir élargir l'assiette parce que déjà, on aura perdu du rendement et nous, on va passer à la casserole. Vous voyez ? Donc, je pense qu'on n'est pas parti sur la bonne stratégie pour redresser le déficit de notre pays. Et je suis tout à fait conscient, vous êtes des élus, hein, je suis tout à fait conscient qu'il y a des mesures qui, bien évidemment, il n'y en a aucune d'agréable pour l'ensemble des Français. Quand on a des régimes sociaux qui sont à l'agonie,
Eh bien, je pense qu'il faut retrouver le chemin du bien commun. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une assurance maladie. Je dis bien une assurance maladie. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme ça de la part des Français. Je cotise, j'ai droit. C'est un droit de tirage. Non! C'est une assurance quand on est malade. On ne s'arrête pas quand on a, entre guillemets, une altercation avec un collègue ou avec son dirigeant. Hein, parce que quand on veut s'arrêter, ça fonctionne toujours. Hein. Et donc, si vous retrouvez le chemin du bien commun, ce n'est pas en baissant le plafond des indemnités journalières de 1800 à 1400, sachant que c'est l'entreprise qui va récupérer, entre guillemets, le reste à charge, hein, sans avoir aucune possibilité, nous, en tant qu'employeurs, de juguler l'inflation des arrêts de travail de courte durée, puisque, via le secret médical, on ne peut rien demander. D'accord ? Je ne demande pas la levée du secret médical, mais je demande simplement des mesures qui viennent responsabiliser chacun d'entre nous. Pourquoi ne pas mettre dans le secteur public, comme dans le secteur marchand, 3 jours de carence ? Pourquoi ne pas mettre 2 jours d'ordre public ? Secteur public, 7 heures marchand. Certes, si on est vraiment malade, là, il faudra peut-être réfléchir, effectivement, si vous avez une vraie pathologie, un cancer, hein, je ne sais quoi, là, bien évidemment, on fait sauter les jours de carence. Mais arrêtons, entre guillemets, la bobologie. Je vous donne 3 chiffres. Ils sont vérifiables. Parce que je suis passé la semaine dernière sur France Info, et après, il y a eu le vrai du faux, et j'avais raison. Ouf. Dans le secteur public, le nombre moyen d'arrêt de travail pour raison de maladie, c'est 15 jours. Dans le secteur marchand, privé, c'est 12 jours. Les indépendants, 4 millions en France, 2,5 jours. Donc si vous voulez être en bonne santé, mettez-vous à votre compte. Voyez. Je pense que sur ces sujets, il faut prendre les Français à témoin. Nous sommes tous co-responsables de nos systèmes sociaux. Voilà. Et ce n'est pas simplement en refilant la patate chaude aux employeurs qu'on va résoudre le problème. On va augmenter nos charges et dans un an, aura-t-on jugulé les arrêts de travail de courte durée? J'en suis absolument pas sûr. Je suis même convaincu de l'inverse. Voilà. Sur l'apprentissage. Alors là, je vais être un petit peu différent. C'est-à-dire que, magnifique succès, on est passé de moins de 500 000 apprentis à 986 000 dans le secteur marchand. Superbe. Avec une grosse partie d'apprentis dans le supérieur. Mais moi, je préfère voir les apprentis en alternance entre l'université et l'entreprise que tout le temps l'université. Vous comprenez pourquoi? Ça se tient à l'entreprise. Ça va au-delà de l'apprentissage. Deuxièmement, sur la rémunération des apprentis, j'ai des apprentis qui sont plus riches que leurs tuteurs. Vous avez entièrement raison, Monsieur le Président. Un apprenti qui a une rémunération, même modeste, si jamais il loge chez papa-maman et que papa-maman font plein de la voiture ou de la mobilette, eh bien c'est de l'argent de poche. Son tuteur qui a 2 ou 3 enfants dans les études supérieures... Voilà pour cette audition qui se tenait cette semaine au Sénat. Pour en parler, j'accueille ici Anne-Sophie Romagny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste de la Marne. Alors, les 4 associations, organisations de patrons qui ont fustigé le budget 2025, le MEDEF qui parle ainsi, je cite, d'économies insuffisantes, mal documentées et assez peu crédibles. Est-ce que cette sortie d'hier au Sénat, c'est une nouvelle épine dans le pied de Michel Barnier ? Une nouvelle épine, on connaît la difficulté de notre pays. On parle d'une dette de plus de 3 000 milliards. Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres sont très criants. On doit faire une économie de 60 milliards. Du jamais fait. C'est du jamais fait, c'est du jamais vu hors période de crise. Et le gouvernement a eu 17 jours pour faire le budget. Ouais. Donc je comprends l'inquiétude, effectivement, des entreprises parce qu'on doit tous contribuer à l'effort. Mmh. Pour autant, pour les entreprises, la pilule est un peu difficile à avaler parce qu'on leur fait effectivement supporter une grosse partie de la réforme budgétaire sur la partie recettes. Oui. Et l'inquiétude est grande et effectivement, je peux comprendre, mais l'exercice est extrêmement scabreux. Oui, et on avait pu comprendre que les entreprises, elles étaient prêtes à faire un effort, en particulier celles qui ont réalisé un important chiffre d'affaires. Mais le MEDEF dit bien que le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ils vont dégrader la compétitivité des entreprises et de l'emploi. Est-ce que vous le dites, le gouvernement doit revoir sa copie? Je dis que le gouvernement doit être attentif. C'est-à-dire qu'à un moment dans l'urgence, on doit effectivement trouver des leviers. On les trouve dans l'urgence et forcément, le levier fiscal est le premier et le plus facile à activer. Pour autant, on voit bien, et tous les indicateurs sont au rouge aujourd'hui, l'État doit absolument accompagner une réforme structurelle importante pour accompagner aussi l'effort des entreprises.
le budget de l'État, la baisse de la dépense publique. Enfin, je pense que ce sont des sujets importants. Alors que dans l'urgence, on puisse effectivement dire il faut effectivement tous se serrer la ceinture rapidement et assez fort, on peut l'entendre. Je pense que c'est un discours raisonnable. Il faut des réformes supporter, structurelles. Voilà, il faut des réformes structurelles. Et est-ce aux entreprises de supporter trois quarts de l'effort fiscal? C'est votre calcul, c'est que trois quarts de l'effort fiscal sera bien réalisé sur les entreprises, parce que 8 milliards sont demandés aux entreprises avec une contribution exceptionnelle sur les bénéfices qui va cibler quelques 400 entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires, on le disait, qui atteindra ou dépassera 1 milliard d'euros. Cette surtaxe va être extrêmement lourde pour les entreprises, a dit Patrick Martin cette semaine au Sénat. C'est ce qui fait craindre aussi une forme de récession économique. L'OFCE qui estime que le budget Barnier pourrait diviser par deux la croissance l'année prochaine. C'est pas une alerte crédible ça pour l'économie ? C'est une alerte crédible et il faut faire effectivement très attention, parce qu'on sait que de désorganiser la compétitivité de nos entreprises peut avoir des conséquences néfastes. Et je comprends cette crainte. C'est qu'effectivement, à un moment, déstructurer l'économie, alors avec des vertus positives de l'effort budgétaire, mais les conséquences économiques sont quand même importantes. Et il faut, voilà, on est sur le fil du rasoir. Mmh. Et je pense qu'effectivement, on est sur un budget qui doit être chirurgical pour ne pas tout déstabiliser. Et c'est difficile à faire en 17 jours, vous le rappeliez. Oui. Il y a beaucoup été question aussi de l'apprentissage, puisque le gouvernement envisage de réduire les aides à l'embauche. L'apprentissage, c'est l'essence même de la vie des petites entreprises. Les apprentis, on leur apprend à vivre en société, a dit Michel Picon, le président de l'UDP, le syndicat des entreprises de proximité. Est-ce qu'il ne faut pas regretter cette partie-là du budget sur les apprentis ? 1 million d'apprentis en France en 2023, ça a marché. On est sur l'augmentation des compétences quand on parle de l'apprentissage. Alors que ça a souvent été quelque chose qui était mal perçu précédemment. Bien sûr, bien sûr. Et le travail, le regard sur l'apprentissage. Bien sûr, et c'est positif. Et cette montée en compétences, les entreprises en ont besoin. Et l'apprentissage est un bon levier aussi pour l'ascenseur social. Il faut être prudent. Alors peut-être qu'il y a certaines formes de contrats d'apprentissage qui marchent mieux que d'autres. Je pense qu'il faut savoir préserver ce qui marche et être effectivement peut-être attentif à ce qui ne marche pas. Et donc là aussi, de façon chirurgicale, vous pensez qu'il faut regarder dans le budget et peut-être modifier certaines choses ? Peut-être, parce que est-ce que l'effort qu'on demande à l'artisan boulanger ou l'artisan boucher doit être le même que celui qu'on va demander à Airbus sur l'apprentissage ? Je ne suis pas certaine. Eh bien, on verra ça. Merci beaucoup, Anne-Sophie Romani, pour cette réaction au micro de Public Sénat. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à voir les replays et à lire les décryptages de toutes ces séances. C'est sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'information dans quelques minutes à 18h pour Sens Public. Et ce soir, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Croissando à la présentation. Très belle suite des programmes sur Public Sénat.